Oh bah ça a l'air bien. Alors fais voir, encoder 67, 87, 107 et dropper 0. Et j'ai le Streamlabs. Bon, j'ai pas le retour C'est Twitch. pour Mimi la grotte Enfin, là. j'ai pas le retour tout de suite, mais au moins ça a l'air plus safe. Bon, et bien du Bon, coup, la maison est pas très loin. on va espérer que ça marchera là-dessus. Donc du coup, bonjour à tous. On est sur un petit stream de l'après-midi, toujours en compagnie de votre serviteur dévoué, Kezuna-san, mais également deux autres équipes, enfin deux autres participants de l'équipe du fail. J'ai nommé Mister Voltage le survolté. Ouais, je sais, j'ai pas de jeu de mots plus intéressant à faire. Et Almar le. Ouais, t'aurais Ouais, pas pu trouver j'attends. un nom à pseudo là. Enfin, un pseudo à blague. Enfin bon, bref, tant pis. Ah, j'ai mis ce clic. Enfin, j'ai mis ce touche. Et du coup, on est sur un petit stream débat, discussion. Alors, si normalement je devrais l'avoir sur le. Je vais quand même tenter de mettre le Twitch à côté, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Oui, parce que en fait, on était censé commencer à l'admi, sauf que comme vous pouvez le constater, ça fait presque une demi-heure théoriquement, mais on a eu quelques petits soucis d'ordre problématique. Alors par contre, je vais quand même ah bah non, mais si je viens le chat d'ici. En fait, on était censé commencer à l'admi. Je veux pas le son. À dropper 160, ouais, donc laisse tomber, tant pis, on va faire 100. Je verrai que sur mon retour XSplit, enfin mon retour chat Twitch, mais sur XSplit, tant pis. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à participer, hein. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue entre guillemets extérieur à l'équipe. On n'a qu'à demander à Terfi. De s'occuper de Twitch. Bah, c'est pas ça, je pourrais le voir, mais je le verrai que, mettons, ça doit être genre 30 secondes après, quoi. Hein, bon, ça, c'est que 30 secondes. Regarde, encore que non, c'est même pas. C'est 30 secondes entre moi et eux. Sur mon retour chat Twitch que je vois directement sur XSplit, ça doit être aux alentours de peut-être 4-5 secondes de différence. Ouais, parce que là, du coup, ouais, ça drop plus. Bon. Bah du coup moi je vais faire le jardinier comme hier. Et n'hésitez pas à lancer un sujet hein. Attends, bon j'ai le... En train de farmer les quêtes. J'ai le chat. Pouette, 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 je tape sur les troncs d'armes. Comme... Faut faire le toit. Ouais, je le ferai ça. J'aime bien faire des toits. Okay. Je check quand même un petit peu hein, au cas où, mais non, ça a l'air d'être stable. T'inquiète. Ah ouais, ok. Je cherchais le portail. Vous êtes déjà au portail? Bah, disons que j'avais tout sur moi. C'est quoi ça? Enfin, des graines de blé. Portail activé! La mine de pierre, elle est où? Pierre. Pierre. Je veux des pierres. Ah là. Bon alors, j'ai compris. Je vais lancer un sujet. Alors, on va parler de... Ah oui, si, la nouvelle réforme scolaire, là, du prédicat. Qui remplace COD et verbe par un. Bah, par prédicat. Franchement, j'en ai pas entendu parler. Moi non plus. Ah bah, t'as pas regardé les infos parce que putain, c'est passé genre. Non, je bosse pas. Deux ou pas trois le temps. jours. Je
bosse trop, j'ai pas du temps. Moi j'ai surtout vu la baffe de Manuel. Oh oui, c'était beau aussi ça. Enfin, c'était beau. C'est magnifique. Disons que vu comment l'autre s'est fait balancer contre la barrière en métallique, j'ai envie de te dire ça va. Ils auraient peut-être pu y aller un peu plus doucement quand même. Hein. Ouais, il a pris bordel. Ouais. C'était pas un terroriste, hein, le mec. Faut peut-être pas pousser. Oh, j'ai le sac à dos plein, c'est chiant. J'ai toujours su que t'étais un sac. Que les sacs étaient pas beaucoup. Avaient pas beaucoup de port. De transport. Enfin bref, ils pouvaient pas porter beaucoup. Bon allez, on casse là. Moi j'ai terminé le donjon. Moi je vais faire le charpentier. Le jardinier, le maçon, je vais tout faire. C'était plus simple le squelette avec l'arbre en fait. C'est bizarre hein. Carrément. Non mais c'est le système de combat, je le trouve chelou quand même. Tu sais, bah, vu que t'es bloqué sur la cible. Ouais mais justement ça change. Plutôt que de devoir à chaque fois viser, là tu te fais un peu moins de soucis. Ah oui, non, je dis pas qu'il est nul mais faut s'y habituer quoi, c'est chelou. Ah et si vous voulez faire un petit peu mumuse, vous avez allez taper jusqu'à détruire le mannequin d'entraînement. Ouais mais j'ai essayé, c'est long. Ouais mais après t'as des oreilles de lapinou tout chou. Attends, je vais le faire. Ah oui bah là, accroche-toi hein, parce que quand on te dit très long, c'est très long. Hein. Moi j'ai mis une heure avant de le détruire. Et j'y allais au lance-pierre pourtant. On est à deux, la barre abaisse pas quoi. Ah, je fais des coups critiques à 13 de dégâts quand même. Hein. Ah bah mon épée va être brisée. Non, ça casse pas l'arme sur mannequin. Bah si, mais la barre est rendue rouge. Non, non. Du coup, pierre. Et donc ouais, du coup pour en fait. Si tu veux, je t'explique Almar le coup du prédicat. En fait, c'est de la merde hein, déjà d'une part, mais c'est surtout que en gros, quand tu as, je sais pas moi, Alice suce une glace. Et bah tu as Alice, c'est le sujet. Pourquoi ça tremble? J'ai l'impression de me faire attaquer. T'as pas Mimi qui creuse à côté de toi? Bah moi j'ai tombé dans un trou. Ouais, ça change pas d'habitude Mimi. Ah mais ouais. Si c'est toi qui es en dessous, d'accord. Et du coup oui voilà. Donc quand tu as par exemple Lucie suce une glace, tu as Lucie c'est le sujet, sus c'est le verbe, et une glace c'est le COD. Et bah maintenant tu as Lucie suce une glace pareil, sauf que sus une glace, c'est le prédicat. T'as plus de notion de verbe et de COD. Ah. Alors déjà que les gamins étaient un peu cons à écrire phare avec un F, bah maintenant ils auront l'air encore plus cons. Ouais. Pour ce que ça change. Non mais c'est bien, c'est que tu sais, en début d'année, on te dit la France est l'un des pires pays en matière d'éducation. Bah on était dans les derniers, donc nous autres on est une des meilleures. C'est le cas de le dire. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée? Eh bah on va aller simplifier les trucs qui sont déjà assez simples, tant qu'à faire. Vous êtes déjà allé sur l'Autriche ou quoi? Non. Ah, d'accord, c'est qu'il a pété un plomb. Non, j'ai fini le donjon, c'est tout. Non, laissez mon jardin.
Allez pas tout casser. Je vais mon inventaire, j'ai trop de trucs. Bah mets-les à la poubelle. Bah non, ça sert toujours les cotons. On a largement ce qu'il faut. Hein. Voilà, comme ça on a un beau jardin tout neuf. Ouais mais du coup je vais me taper les palissades là, j'ai pas de coffre. T'aurais bah pas oui, du cuivre ça, sur toi que... Bah non, j'avais tout mis dans les coffres. Pour que tu puisses construire. Bon, je vais garder ça sur moi, c'est pas grave. J'ai du bois. Hop, c'est bloc tout. De portail. J'en ai 5, tiens, bloc de portail. Ah oui, non, par contre, faut peut-être que je les récupère, sinon ça marche moins bien. Comment on fait pour... Pour... Ah, le l'item, là, okay. Faut le manger. Quand je tape à la main, ça va viser un peu moins le truc. Les rats gris, ça sert à quelque chose ou pas? Les quoi? Les rats gris. Aucune idée. Ok. Ouais, du coup, vous avez exploité tous les trucs, donc on peut y aller. À l'assaut. Attends, parce que moi, là, je sais pas ce qu'on va faire de ma life. J'ai trop de trucs. Ouais. Pareil. Ah, j'ai une fenêtre si tu veux, ça t'intéresse. Une fenêtre? Ouais. Bah ouais, remarque ça. J'avais peut-être. Il en manque une fenêtre dans l'autre maison. Vas-y, donne. Ah ouais, exact. Ouais, sinon tu la faisais rotate, hein. Enfin, ça marche aussi, mais bon. Du coup, c'est des graines de quoi ça? D'arbre émeraude, je m'en fous. Merde, je les ai jetés. Ah, je les ai plantés dans le jardin. Ah merde, je les ai récup. Je l'ai mis à gauche, enfin à droite au lieu de le mettre à gauche. Non, mais plante pas les arbres ici parce que ça va faire. Ouais, quoique. Ouais, ça va peut-être popper à moitié dans la maison. Mais bon. ça serait bon. Je pense pas. Ah bah, Mimi, il a fait pareil, il l'a jeté. Ah, c'est quoi des graines de. Ah là. Non, ça le blé, je garde, c'est bien. Le coton, c'est pas grave. Les arbres printaniers. Mais non, mais à chaque fois je me trompe. Le blé, je le. Le drapeau, on en fout quoi? On le pose quelque part ou... Le drapeau, on s'en fout un peu. Ok. On go portail? Ouais. J'en profite pour faire un peu de réparation, voilà. Comment on fait pour réparer, tu m'as dit? Tu mets tes pierres aiguisées dans la barre et tu vas sur l'outil que tu fais réparer et tu appuies sur le bouton où il y a tes pierres aiguisées. Genre par exemple moi elles sont. Les pierres aiguisées sont en 3. Et ben je vais sur mon épée en bois et j'appuie sur 3. Et ça me le répare. Même si bon, techniquement une épée, on servirait pas beaucoup. Ok, c'est bon, j'ai compris. Allez go. Wasabi. Ah bah non. Ouah, c'est la TP. Ah oui, c'est vrai que ça TP tout le monde. Ta 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 la la ta ta ta, le voyage au centre de l'univers. Mon cendreux. Fais gaffe, Mimi, c'est niveau 2. Moi, je suis arrivé en même temps que toi. Bon, on a trouvé le portail déjà, c'est pas mal. Attendez, m'attaquer le chevalier. Ouais, moi je récupère. Oh, une larve. Voilà, niveau 2. Ça va, il y en a qui level juste en regardant. Oh, c'est joli, j'aime beaucoup. Bon bah, niveau. Pan, pan.
Ah, il balance des boules de feu, le sagouin. Oh, le cœur. Oui, le cœur. Fais gaffe, il y a un chevalier de feu là. Il a pas l'air content. J'ai vu. Ah non, mais j'ai déjà la tortue, ça suffit. Elle est où? Ouais, le gros troll. Oh la tortue. Oh la tortue. Bon, allons miner. Du cuivre. Oh putain, il y a encore un chevalier. On va pas aller bien loin. Ouais, on est en pleine nuit, donc c'est normal, il y a des chevaliers partout. Moi, j'y vais. Bonjour, monsieur. Ah mais wesh. Oh, je récupère des os. Non, on dit des os plutôt. Oh nice. Ouh, 10 blocs de cuivre. Bon, pour le moment ça va pas nous être très utile, mais... Et un parchemin de soins si quelqu'un a besoin. T'es en train de me faire ah, ouh, fait. Bah j'ai bien fait de pas creuser sous mes pieds sur ce coup là. Oh, il y a une mine. J'ai vu le vide mais d'un peu trop près à mon goût. Bon, on va faire une petite... enfin, une petite review. Pas vraiment, mais... Un petit retour sur les films de 2016. Lequel? Le pire d'entre tous. Suicide Squad. Oh, c'est pas le pire. Oh non, mais entre... C'est pas le mieux, mais c'est entre pas le pire. Harley en mode j'ai tellement le feu au cul qu'il faudrait une caserne de pompiers entier pour m'éteindre. Le fait qu'elle a quasiment... aucun rapport avec le Joker, si ce n'est de temps en temps un petit oh mon voilà. Poussin. Je sais pas, je l'ai pas vu. C'était un peu la tristesse. C'est vrai qu'on nous a fait, un pataquès sur le Joker, qu'on quoi, blabla, et on l'a vu deux fois. En gros, c'est ça. Pour reprendre la, la métaphore de, enfin la métaphore, la. La blague de Fred et Seb, c'est un peu comme le mec de Fred et, de Jeanne et Serge. Il apparaît 10 secondes et puis il s'en va. Ça va, tu t'en sors avec les larves? Oui, tranquille. Oh, oh le petit chat! Non, attends. Oups. Tu le veux? Mimi, t'as raté le petit chat. Oh, mais carrément, je veux le chat. Pas grave. Alors attends, faut pas que... À droite, hein. Pour le laisser tomber, c'est à droite. Ouais. Oh, vu, petit chat tigré orange. Oh, terrible. Mais je sais pas à quoi ça sert. Probablement une déco. On va prendre une petite torche. Bon. Et pour revenir ouais à... au film, sans compter Will Smith qui fait du Will Smith plus que son personnage. Quoi. Bah, je crois que c'est lui qui l'avait demandé en plus. Hein.
Après on va dire oui, mais tu copies qui c'est qui l'avait fait cette allusion. Enfin bref, je sais qu'il y en a un youtubeur qui l'a fait dans une de ses reviews. Ah bah c'est pas justement Fred et Seb, je crois bien. Mais finalement, oui, je le fais comme eux parce que je pense exactement la même chose. C'est du vu et revu, c'est... Comparativement, et là ça risque de choquer certains, mais je préfère encore les Batman de Nolan plutôt que celui-là. Et Dieu sait que les films de Nolan sont pas mes préférés. Mais comparativement, je les ai trouvés meilleurs. Bon, du coup, moi je sors, il n'y a plus rien d'intéressant. Ouais. Et il s'appelle comment? Boss. Ah, c'est Morton. Bonjour, courageux chevalier. Ouais, salut Morton, à la prochaine. Faudrait retrouver l'autre, comment il s'appelle? Mimi? Non, c'est celui hier qui voulait. Ouais, celui avec un affilé du cuivre. Un peu de cuivre contre Mass XP. Le mec, tu lui files 10 cuivres, hein, le truc, tu mets quoi? 5 minutes à les trouver. Et le mec, il te file à peu près la moitié de ta barre d'XP, tranquille. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas trop mais... Voilà, toi la tortue. Roule la tortue. Ah bah, je l'ai trouvé. Bah, vas-y. Niveau 3. Et boum, 1008 XP quoi, tranquille dans les poches. Oui. Ah. Quel est ce... Ah d'accord, c'est une herbe. Après, j'ai re-regardé Equilibrium. Franchement, j'ai trouvé tout aussi génial qu'avant. Avec Christian Bale. Ah merde, je suis tombé. Moi, j'ai pas vu grand-chose cette année. Genre, je suis allé voir Star Wars. Assassin's Creed. Ah, lui, je l'ai pas vu et j'aimerais bien le voir. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas mal. Et d'ailleurs, dans le film, il y en a un qui a accompli un record du monde, le cascadeur là. Ouais, celui qui a fait le saut de la foi. Oh non, mais le saut de combien? 37 mètres, je crois, un truc comme ça. Oh my god. 37 mètres sans filet, sans rien. Exactement, ah, le mec, mais ouais, c'était immense. Bah, sans pas être génie, c'est qu'il avait quand même une sacrée paire de couilles. Moi, je l'aurais pas fait. Ah bah oui, non mais là on est d'accord, le mec il a c'est la paire de couilles quoi, parce que franchement non, moi déjà déjà tu me mets sur un escabeau, j'ai peur du vide, alors t'imagines là. Ouais, c'est clair. C'est maximum respect, et du coup ça me donne envie de le voir juste pour ça, parce que tu te dis le mec il s'est quand même pas cassé le cul pour rien quoi. Mais même sur pas de ça, le film est bon. Je trouve que c'est un bon film. Mieux que les jeux? Tu me diras, ça serait pas très dur. Non, ils sont sympas les jeux. Ah non, les jeux, ils sont sympas. T'es sérieux? Ils sont sympas. T'arrives dans un port avec ton bateau de pirate, t'as une chance sur deux pour que le machin se mette à moitié en train de couler. Aussi, Vlad, c'est un des moins aimés. Ah, c'est pas vrai. Bah, moi j'ai entendu que c'était un des moins aimés à cause que c'est trop bateau. Ouais, mais tous ceux qui ont l'univers pirate, ouais. Ils vont kiffer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de jeux sur cet univers là, quoi. Mais pour un Assassin's Creed, c'était pas le meilleur. Non mais je trash le jeu, mais s'il avait été bien développé, franchement je l'aurais pris. Pour revenir à ta question, il y a certaines choses qui sont mieux dans le film. Genre l'animus, il est pas d'avant. Ah, enfin le jour.
Oh damn Daniel, c'est quoi ça? Vas-y, je rentre. Oh nice! J'ai récupéré quoi? Bah je me fais taper dessus. Oh, oh bah ça y est, je sais ce que je vais faire maintenant. Tu vas faire quoi? Alma, tu peux tenir m'aider? Une tortue. Vas-y, sauve-toi. Oh, mais oui, mais c'est tellement ça en plus. 9 blocs de cuivre en plus. Je suis en train de faire une radia, j'avais jamais vu ça. Si tu vois de la lumière sous les piliers, c'est normal. C'est parce que j'y étais. Oh, ça bastonne sec en bas. Hein. Bah, je couvre Mimi. Fais gaffe, je crois que t'as une tortue qui te court après. Ah bon? Allez, 8 non, blocs de cuivre en plus. Ah. Les terfis, ils voulaient pas venir parler? Bah, aucune idée. Je sais qu'hier il est venu, mais après. Là-bas, d'autres tours. Encore plus de tours. Ah, quoique non, c'est pas la même. Ah, on remarque, on va creuser, on sait jamais. Oh si, il y en a aussi. Tu m'as dit quoi, que c'était utile le quartz, je sais pas quoi là. Ah, j'ai trouvé deux parchemins de soins. Le quartz électrique. Ouais, c'est utile toi, ou pas? C'est utile pour faire des trucs de magie. Ah oui, voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Je sais plus c'est pourquoi. Ouais, wow, on en parle du triple pop devant ma gueule. Moi, je suis en train de faire une razzia sur toutes les tours que je vois là. Il y a tellement de trucs à récupérer. Moi, je chope de pierre unique. Clouté. Allez. Succès, level 10. Oh, 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 oh. GG. Bon, par contre, c'est un peu chiant de devoir sortir à chaque fois de là. Oh, je suis un petit peu haut là. Bon, du coup, celle-là elle a pas dû être faite. Mais je vais essayer de me l'attaquer par en bas. Fais gaffe, Mimi. Oui, j'ai vu. Allez. Oh, j'ai des écailles. Je vais pouvoir faire un stuff de level au-dessus. On fait partager. Ouais, mais j'en ai que deux. Donc, oui, enfin, remarque, tu me diras, j'ai dit je vais faire du stuff, mais peut-être pas dit non plus. Il y en a peut-être pas assez. J'en ai combien sur moi d'écailles? Ah, j'en ai 5. Ah, bah si, avec 5, ça doit pouvoir le faire. On les a comment les écailles? En tuant des mobs, les tortues, je suppose. Ou alors, comme moi, avec les loot des. Entre guillemets, donjons. Putain, il m'a piqué mes loot, l'enfoiré. Yeah. Oh non, pas la tortue! Non, 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 non! Allez où? Ok, deux larmes de feu, c'est moi qui régale, vas-y. Je paye ma tournée, c'est normal.
Ah, oh, mais du une coup... émeraude brute. Ah, c'est bien ça par contre. Je sais plus pourquoi, mais c'est bien aussi. L'idéal c'est du cuivre et le charbon peut-être, mais je sais pas si on peut en avoir beaucoup. Qu'on fasse les coffres parce que là je sais plus quoi faire. Ouais, pareil pour moi. Mais faudrait rentrer à la maison pour faire ça. Bah, tu me dis. T'as qu'à dire. Bon, y a rien sous la fontaine. Je vais chercher encore quelques trucs sous les tours. Parce que les tours ça rapporte beaucoup, hein. N'hésitez pas à aller dessous. Hein. Ah, mais y'a déjà quelqu'un qui a été. Ah merde, celle-là a été déjà faite. J'avais pas vu. Tiens, la tortue. Bon, celle-là est déjà faite. Bon, est-ce que je me sens cascadeur? Non. J'ai déjà fait celle-là. Oh, j'ai trouvé un archer. Qu'est-ce qu'il veut? Ulve, ouais, l'aventurier. Trouvé, mais il dit rien. Parlez. Ouais, j'ai trouvé un formidable trésor sous ces ruines. Ah bah oui, bah c'est pour me dire ce que j'avais découvert tout seul, merci. Tu crois que si on tue, on peut les prendre comme ça? Non, je crois pas, et puis c'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. Moi je suis content. Bon bah je suis pas très riche, hein. Je suis content avec mon lance-pierre là, je fais le café. Pour le moment du moins. Mimi il ferme la montagne, on sait pas pourquoi. Ah mais il y a du cuir. Oui. Oui. Moi j'en ai 78 de cuivre. Oui. Ah il est là. Ah par contre moi je vais récupérer la pierre parce que la pierre c'est pas qu'on en a pas beaucoup mais presque. C'est Némi, il fait des escaliers en pierre et il est riche. Oui. Bah ouais mais justement non, ça serait mieux de les garder pour nous les pierres. Et dans un monde de sable, fais-toi plaisir, mets du sable. Ah putain. Hop. Bah elle fait pas mal la tortue. Elle est chiante. Ah, j'ai eu des bottes pour recettes de bottes pour mineurs. Ouais, là il m'a peut-être un peu trop de défaite. C'est des bottes pour mini ça alors. Et reviens la trouillard. Oh bah... Voilà. Moi je dis on peut retourner à la maison. Ah bah, portail activé. ouais. Bah du coup on va aller dans la troisième île, on n'a pas libéré la place. Oups. GG. Bon, en tout cas, c'est bon, ça a l'air de se maintenir. Bah oui.
J'ai bien envie de te poser une question, mais... Non, à Almar. Enfin, je crois, hein. De quoi? Ah oui, là, les tortues, elles commencent déjà à être un peu plus dures. Normal, vu qu'elles ont des écailles. Ouh, la fleur. Allez, 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 allez. Et boum! Je sais pas qui c'est qui a levelé, mais... C'est moi. Direction les collines paisibles. Téléportation, monsieur Spock. Et n'empêche, la première fois que j'ai vu ce passage de téléportation, j'ai fait oh, un jeu Doctor Who. Mais non. Raté. Bon allez, je vais fabriquer des coffres. À moi l'établi. Alors, coffre. Et donne. J'ai des merdes. La gave. Ça me gave. Les ballons de foot. Les potions de mana. J'ai plus de place. Ouais, j'ai plus de place. Ah bah si, je sais comment je vais me faire de la place moi. Portail. Confectionner une pierre bleue. Voilà, comme ça j'ai de la place. Alors, coffre. Par contre, faut que je me refasse le même pattern que l'autre. J'ai ce qu'il faut en coffre, hein. Pas la peine. Ouais, je vais t'améliorer le truc. Ah, l'établi. Ouais. Pouf. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? On a besoin de... Pourquoi j'ai je... Parce pourquoi que Mimi est dedans. Alors, attends. Hop, un coffre. Il en manque plus qu'un. Non, établi encore. Pour un fourneau, il faudrait de la pierre, tiens. S'il y en a un qui a de la pierre. Bah, j'ai pas de pierre, mais j'ai un ballon de football. Ah, c'est peut-être ce que j'ai jeté. Ouais, je pense. Bon, je vais récupérer de la pierre pour faire le four. Je peux faire une cheminée si vous voulez, les gars. J'en ai 19. Alors, ici, on va mettre tout ce qui est du style important, genre ça, 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 ça. Ici. Ici, on va mettre quoi? On va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme truc? Ah bah si, la construction, tiens, hop. Hop. Est-ce que vous avez fait l'enclume? Attends, pour le moment, on se libère un peu de place. Ici, ouais, on bah, va je mettre peux la faire ça. Que je la fais. Ça. 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 Ça, c'est quoi? Recette de bot pour mineur. Bah, je vais le prendre et l'utiliser tout de suite. Est-ce que je fais l'enclume ou pas? Mais attends, on va faire les choses dans l'ordre. C'est toi qui es dans le coffre, Almar. Ouais, je pose. Bon, et le dernier... Le dernier, on va mettre tout ce qui est coton, écaille, os... Je vais prendre le petit chat. Utilise le menu personnage pour équiper un animal. Oh non, t'es sérieux qu'on peut équiper un animal? Oh, c'est terrible. Oh non, vas-y, genre, jure, j'ai eu mon chat.
gauche. Ah, j'ai mon petit Mimi qui me suit. Oh, trop bien. Ça, c'est... T'as fait ça comment? Mais tu sais, le chat que tu m'as donné, je pensais que c'était une statue. Mais en fait, non, c'est un pet. Ah, mais comment tu l'as mis? Bah, dans le... Quand tu fais V, t'as la petite case en bas de ton personnage. Donc du coup, ballon de foot supprimé tout de suite. Potion de soin, c'est consommable de soin, donc ça va, genre... Ah bah non, pas là. Ouh, de la pierre unique cloutée, très bien ça pour faire des portos. Ouais, c'est moi qui ai mis ça là. Ça, le sable, on s'en fout. On va mettre la terre ici, on va mettre ça là. Hé, regarde. J'ai un rat. Ah d'accord, c'était ça ton petit rat gris. T'en veux un, Mimi? J'en ai deux. Ouais. Déjà, ça sent les potes qui vont s'entendre. C'est... On a chacun un... Vous avez un rat et moi j'ai le chat. Tu surveilles ton coutard. Du coup, attends, moi je vais prendre un peu de cuivre. Et c'était quoi? Il est où? Établi. Coffre. C'est quoi? C'est... Ah si, c'est ça. Faut que je prenne ça aussi. Je vais en faire deux autres. Ah non, je vais en faire quatre. Putain, toujours pas fait de toi, ça craint. Ouais, mais t'inquiète, je m'en occupe. Ça va aller vite après. J'en ai combien là? Eh ben, j'en ai quatre, impeccable. Ah, au passage. Hop, les bottes pour mineur. Ah, recette déjà débloquée. Bah, je vais la donner à quelqu'un qui la veut. Moi, je veux bien. Alors, hop, le coffre. Tac, tac, on le tourne. Ici. Hop. Au passage. Hop, 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 hop. On prend la torche. Et vu qu'on peut pas les empiler, on met les torches ici. On voit la lumière. Aziz, lumière. Non, du coup, c'est pas ça. C'est quoi? C'est de la pierre. Et après, le bois, je dois avoir ce qu'il faut. On va mettre ça, ma pioche, voilà. C'était où les trucs de soins que j'avais dit? C'était là. Donc les trucs de porto, en fait, on va les foutre ailleurs. On va laisser juste les trucs de soins ici. Ah bah oui, d'accord, évidemment. Je dis, je laisse les trucs de soins, j'embarque le reste. Mimi, il aime bien faire les toits, il va faire le toit. Non, taille. Ouais, mais c'est un peu chiant à faire, donc je comprends que tu veuilles pas le faire. Alors, j'ai dit que j'ai du tapis rouge. Ouais, mais j'ai besoin pour faire le reste des meubles. S'il te plaît. Ah, t'as vu, on a des coffres 2. Ouais, mais t'as vu ce qu'il faut pour les faire aussi? Ouais, j'ai vu. Bah c'est comme les trucs, le stuff du mineur, oh, il faut du cuivre, des barres de cuivre, je sais pas ça comment. Bah les barres de cuivre, on les fera quand on aura un fourneau, mais pour ça faut que tu me laisses la place. Alors, établi. Ouais, faut le dire. Fourneau. Confectionné, un fournal. Ensuite, l'encloum. Ah, j'ai plus assez de cuivre. Voilà, une encloume. J'en profite, je vais faire la table à dessin. Alors, pouic, pouic, quoique ça va aller là. La table à dessin, l'encloume. Alors, dans l'ordre, le fourneau. Ici.
la table à dessin ici, l'enclume, c'est là où on aurait eu besoin d'un comment ça s'appelle, d'un sous-sol. Ah Mimi, il va tout faire. Du coup, t'as mis la fenêtre, donc du coup, eh ben voilà, je vais faire le toit, je vais chercher du blé. Attends, je vais poser toutes mes merdes avant. Mais tu veux que je fasse le sous-sol? Bah tu creuses. Mais à l'intérieur ou à l'extérieur? Bah plutôt sous le sol. Genre tu vois, tu ouvres ici là. Sous le sol. Sur une ligne de 4. Pour pas aller jusqu'au coffre. Voilà. Et là tu creuses en dessous. Ouais. Non mais je savais pas qu'un sous-sol c'était sous le sol. Donc... Putain mais il est con. Bon en tout cas moi je m'amuse avec mon petit chat là qui me suit. Bon, du blé. Là, j'en ai. Moi, j'ai pas peur de la nuit. Ah, au passage, c'est un mensonge. Hein. La nuit, tous les chats sont gris. Non, le mien, il est toujours orange. Oh là. Non, mais c'est important de le dire. Mimi qui désespère. Ah oui, je désespère. Bah, c'est surtout qu'à la base, quand il a dit je peux venir, je lui ai dit ouais, mais ça va être très sérieux. Ouais. Ouais, mais on peut pas être sérieux quand il y a Mimi, donc c'est fou ça. Après, c'est pas moi qui ai de la merde. Du coup, encore un peu plus de blé. Le blé, c'est important, on en a jamais assez. Oh, si je le touche de là-bas, lui. Oh! Allez, avoue que t'es dégoûté que je t'ai touché aussi loin. C'est un bon moyen d'XP rapidement en fait, comment ça s'appelle? Pas les soldats, mais. Les chevaliers de la nuit. Touche au chaton. Ah bah j'ai en posant une torche. Je crois plutôt que c'est mon combat qui t'aide. Non, en posant la torche. Oui mais je crois que j'ai buté le mec en même temps que t'as posé ta torche. Ou alors peu de temps avant. Je sais ce que je dis quand même. Ah, vous aviez été là-bas? Ouais, sûrement. Bon, je vois plus le truc des quêtes, mais je suppose que vous avez dû y aller. Ouais, c'est ouvert. Ah, quoique, c'est ouvert, mais il y a de la pierre, on va récupérer la pierre. Vivement qu'on ait des pioches en cuivre. On aura un peu l'air moins couillon qu'avec des trucs de pierre. Faudrait peut-être que j'aille voir mes capacités quand même, parce que depuis que je suis level 10, je suis pas allé voir. Ça se trouve, j'ai des super trucs et j'en sais rien parce que je suis pas allé voir. Graines de blé, du blé, je garde sur moi. Alors, c'est. Ah oui, j'ai 6 points. Alors, 6 points à attribuer. On va l'attribuer en sagesse, affecte votre capacité à jeter des sorts, chaque point de sagesse augmente votre réserve de mana actuellement de 280. L'intelligence, affecte vos pouvoirs magiques, les dégâts causés par vos sorts, actuellement 28. Ah si, tiens, j'avais pas vu en talent. Bon, du coup... c'est pas que, mais comment on fait pour avoir des armes supérieures?
Et bah, probablement avec l'enclume. Mangeur de pierre. Ah, pas con, oui. Réduit la durabilité. Réduit la durabilité perdue lors de l'extraction. Ou alors, augmente les dégâts d'extraction de 15%. Non, je vais garder ça. Moi, je vais augmenter les dégâts, moi. Oh, oh, le level 10, il est bien. Connaissance royale. Augmente l'expérience gagnée lorsque vous terrassez des ennemis de 30%. Juste ça, quoi. C'est... voilà. Tu butes un ennemi, tu récupères 130% d'XP. Normal. Et du coup, la voix du chasseur ou augmente votre vitesse de déplacement. Non, je vais garder ça. En plus, il y a des dégâts à distance, donc c'est très bien pour moi. Bon, vu l'heure, on va pas tarder. On a encore un point d'agi. Et la dextérité, c'est quoi ? Affecte à chaque point de dextérité, augmente les dégâts causés par vos attaques à distance. Hop, je vais lui mettre un point de plus. Ah, c'est parti, on va manger de la pierre. Nom 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 nom. Du coup, là, si je quitte, ça vous coûte tout ? Oui. Ouais. On se retrouve dans la maison pour la fin. Quelle heure il est ? Ah bah oui, ouais. Oh bah 16h49, ça va, on était bien. Oui, on a fait un peu dessus vu qu'on a démarré enfin. Du coup, fais voir où j'en suis, 46 pierres. Bon. Ah bah oui, mais par contre, faut que je remonte, moi, ça c'est pas gagné. C'est par où la sortie ? Ah, par là. Je vois de la lumière au loin. Oh, je vais me faire un stuff viking. Ah, c'est... ah oui, d'accord, t'as posé le drapeau là, ouais, c'est bien. Oh, la cape de chevet, elle est pas dégueulasse. Mais moi, je voulais voir les armes surtout. Ah, ah. Par contre, y a pas d'armes à distance dans ton enclume. Chier. Pour les armes à distance, ça doit être l'atelier de d'archer. Je suppose. Ah, bah je vais devoir y aller. Je vais pas moi les l'atelier d'archer. Mais je vais le faire. Non mais je suis con, je suis pas au bon endroit. Dis-leur, bye bye. Bon, on reprend demain après-midi. Pourquoi pas. Moi, ça va dépendre. On verra. Bon, et bien, pour ceux qui verront la rediff de live sur YouTube, à moins qu'on fasse pas de rediff, parce que techniquement, il y avait peut-être pas grand-chose d'intéressant aussi. On a exploré deux mois. Ouais, mais comme ça, bien. Bon, et bah du coup, pour ceux qui regarderont la rediff, je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous allez la regarder. Pour vous deux, à tout à l'heure. Et du coup, c'était Kezuna. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye.